Salut à tous, Alti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FIFA 22 aujourd'hui avec l'Inter Milan et je suis gardien de but dans cette série. Vous le savez, c'est James Alti et je regardais justement ce qu'il y avait comme match à venir. Alors, on a un match contre la Roma, on va voir s'ils sont bien classés. On a après Sassuolo, on a le match retour contre Leipzig. Alors, attendez, non. Et donc, voilà, la Roma, ils sont classés 5e, c'est un match important. Du coup, je pense qu'on va faire la Roma aujourd'hui et après, on va faire Leipzig. Ça me paraît pas mal puisque Leipzig, c'est la Ligue des Champions. Il va falloir se qualifier, honnêtement, sinon ça va pas le faire. Du coup, Inter-Roma, c'est parti. J'espère que vous allez bien tous. Ah, c'est dommage, il n'y a pas les licences pour la Roma, il n'y a pas les vrais maillots. Ils sont beaux, leurs vrais maillots en général. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien les amis, la team liker, j'espère que vous êtes là, prêts à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir si vous pouvez liker, franchement, si vous regardez la série, ce serait cool que vous puissiez liker la vidéo. Et une nouvelle, c'est qu'on enregistre maintenant, j'enregistre maintenant en 60 fps, donc normalement les vidéos seront de meilleure qualité. Du coup, franchement, vous allez voir, ça va être mieux, ça va être plus fluide la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça peut pas être pire, de toute façon, ce sera vraiment, vraiment mieux. Allez, c'est parti, on est deuxième au championnat. Et du coup, bah, comme vous le savez, on peut passer premier si on... Bah, ça dépend pas que de nous, mais on peut peut-être passer premier si on bat la Roma aujourd'hui. Inter-Roma, c'est un gros match de la Serie A et du championnat, du coup, italien. C'est parti avec Nicolò Barella qui joue à gauche maintenant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il va centrer directement dans les bras de Rui Patricio, le gardien portugais. Rui Patricio qui a fait un peu une connerie hier. Allez, Correa. Et le but de Dzeko. J'allais parler de vrai foot. Il a fait une petite connerie et le Portugal va devoir passer en barrage. Il va devoir faire un Final Four en barrage. Ça va être assez chaud quand même. Et Rui Patricio, apparemment, j'ai pas vu le match. Hein, mais apparemment, j'ai entendu qu'il avait fait une erreur dans ce match. En tout cas, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde également au Qatar. Et donc voilà, Witzel, Abraham. Il y a du joueur quand même. Il y a du gros joueur chez eux. Et bah écoutez... On va voir si on peut gagner ce match, mais c'est bien parti. Ça aurait pas pu mieux partir. Brozovic, Valérie, Thomas Lemar. Thomas Lemar qui joue maintenant complètement à droite. Donc il doit repiquer sur son pied gauche. Il joue comme Robben, en fait, gauche et à droite. Sauf qu'il ne rentre pas beaucoup à l'intérieur. Il fait surtout des centres. Attention à Valérie qui a perdu la balle. Il n'y avait pas de faute, non? Witzel, Smalling. Smalling l'anglais. Et Rui Patricio qui doit dégager là un peu en catastrophe. Et Kimpembe qui reprend la balle. Eriksen. Allez, ça revient sur Eriksen. Pourquoi pas encore un deuxième but directement? Ce serait bien ça. Le centre d'Eriksen. Ouh, pour Dzeko, c'était super. Allez, Eriksen. Pellegrini. Il y a des bons joueurs de l'autre côté aussi. Attention. Pellegrini pour Tammy Abraham. Pellegrini qui joue derrière avec Reynolds. Je connais pas celui-là, Reynolds. Diawara. Attention à Diawara qui change complètement de côté. La transversale. Mkhitaryan, attention Mkhitaryan, Skriniar qui récupère le ballon, superbe. Contre-attaque Brozovic, Correa. Correa qui est incroyable hein, cette saison avec nous. Oh la faute, la grosse faute de Smalling. Ça va être un coup franc pour Eriksen. Allez. Carton jaune pour Smalling. Oh, Eriksen qui l'a tenté direct. Je ne pensais pas du tout. Je pensais qu'il ferait une passe dans le paquet, hein, comme on dit, au point de pénalty. Mais pas du tout. Il a essayé d'y aller directement. C'est récupéré par Skriniar. Bien joué. Valérie, Correa, Dzeko. Valérie. Petit ralentissement. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment chiant. Eriksen. Eriksen pour Barella. Eriksen. Bien joué, Correa. Correa, Dzeko. Correa encore. Oh là 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 là, dommage. El Shaarawy. Oh, il y a El Shaarawy qui joue aussi. Le pharaon, comme on l'appelait à l'époque. Ça fait longtemps que j'avais pas vu El Shaarawy. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de lui, honnêtement. Attention. Kolarov, Brozovic, Barella. Ça relance tranquillement. Ok. Brozovic, Eriksen. Valérie. Dzeko. Correa. Allez les gars. Dzeko pour Correa. Il n'est pas passé. Smalling qui fait une belle intervention. Il avait déjà un jaune. C'était compliqué. Mais il a bien réussi son intervention. Allez, on récupère le ballon très très haut. Eriksen qui va jouer avec Correa. Ça s'emballe un petit peu. Pourquoi pas un but? Là, je sens que ça peut venir. Alors, je sens que ça peut venir. Thomas Lemar sur le côté.
Il va revenir sur son pied gauche ou pas? Il a essayé. C'est dommage, c'est pas sorti. J'ai cru que ça allait être un corner, mais même pas. El Shaarawy pour la contre-attaque. Est-ce qu'on est bien placé? Ouais, c'est bon, El Shaarawy. Diawara. Diawara pour Pellegrini. Attention, ça monte, ça monte, ça monte. Attention, on les laisse passer là. Oh, quel arrêt! Oh là là, c'était chaud. Nicolo Barella, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il vaut mieux dégager, honnêtement. Direct sur Diawara. En tout cas, j'ai fait un super barré. Je suis content de moi. Hein. Mkhitaryan. El Shaarawy. Attention, les gars. Abraham. Ça se rapproche clairement là. Witzel. Il y a un trou. Oh, aïe, aïe. Diawara. Pellegrini. Oh non! Comment je prends ce but? Oh, je comprends pas. J'ai plongé. J'ai mis le joystick. Je sais pas comment j'ai pris ce but, honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais qu'il tirait là. J'attendais qu'une frappe, c'est tout. Oh oui, en fait, il me la met pleine lucarne. Hein, c'est ça le problème. Hein. Elle est imparable. Pourtant, je suis dessus, non? Je comprends pas. Je comprends pas où mon joueur a plongé. Honnêtement, c'est relou. Je comprends pas où il a plongé mon gardien, là. J'ai fait un peu de placement automatique. J'aurais pas dû encore. À chaque fois que je me fais avoir, c'est du placement automatique. Il faut vraiment que j'en fasse de moins en moins, je pense. Hein. Allez, Thomas Lemar. Brozovic. Valérie. Attention. C'est pour Mkhitaryan, ça va être la mi-temps. Ouais. C'est la mi-temps. Bah écoutez, un partout. Mais je suis vraiment dégoûté parce que je vous avoue que ce but-là, j'aurais bien voulu l'éviter. Un peu saoulé, là, je vous avoue. Rah, je suis un peu deg d'avoir pris celui-là. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Allez, on peut aller marquer un but, il n'y a pas de souci. Je sais que les coéquipiers sont capables de le faire. Faut pas trop s'inquiéter. Eux, ils n'ont pas eu vachement d'occases. On peut le faire, les amis, on peut le faire. Eriksen. Allez, ça passe. Correa, Eriksen, ouais, ça passe. Barella. Oh, il y a trois joueurs sur lui. Hein. Barella qui va essayer d'aller centrer. On va avoir la touche. Non, même pas. Dommage. Et le pressing, non. Il n'y a personne vraiment au pressing. El Shaarawy. Pour relancer sur Axel Witzel. Pellegrini. El Shaarawy, attention. Witzel. Qui a frappé. Attention à Witzel encore. Qui refrappe encore une fois. Allez, ça va relancer tranquillement. Thomas Lemar. Valérie, oh là là, qu'est-ce qu'il fait Valérie? What the fuck, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors. Oh, c'était super chaud ce qu'il m'a fait comme remise là. Bon, ok. Valérie, il a perdu un ballon là, très très chaud. Ça a failli coûter un but honnêtement. Abraham, El Shaarawy. El Shaarawy qui essaye de dribbler. Attention, c'est un bon dribbleur El Shaarawy. Diawara. Diawara pour Witzel, Abraham, Tammy Abraham qui essaye de passer, Pellegrini, on n'arrive pas à reprendre la balle, Pellegrini, c'est contré, bien joué, Brozovic, allez il faut pas paniquer, il faut relancer les mecs, oh là là on n'arrive pas à se relancer, c'est horrible, Axel Witzel, El Shaarawy, aïe 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 aïe, je sais pas trop ce qui s'est passé, je vous avoue, j'ai l'impression que je la touche. Mais je suis pas sûr. Bah là, je me fais allumer un... Ah non, elle est touchée par le défenseur. Oh, c'est pas de chance, putain. Regardez, je suis dessus. Hein. Je suis sûr que je suis dessus. Hein. Oh, aïe, aïe. On n'a pas de chance. Elle est contrée par le défenseur, vraiment, mais... Genre... Oh, c'est horrible. C'est pas cool, là, vraiment, le match. Allez, Alexis Sanchez qui est rentré. Eriksen. On menait 1-0 et tout, c'est vraiment dur là. Valérie. Oh, Valérie, il fait pas un bon match, il fait vraiment un mauvais match. Witzel, lui, fait un gros match. Hein. El Shaarawy aussi, franchement, il joue bien. Hein. Abraham, El Shaarawy. Witzel. Attention, ça va centrer là, ça va centrer peut-être. Ça joue derrière. Witzel. Personne l'attaque? Personne l'attaque? C'est quoi ce délire? Oh, aïe, 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 aïe. Oh, je me fais sortir. Wow.
Ah ouais, là, par contre, de me sortir l'entraîneur, c'est pas cool. Honnêtement, c'est pas cool de me sortir. On va simuler la fin du match. La fin du match, on perd 4-2. Oui, oui. Bon, bah écoutez, c'est pas terrible tout ça. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est même vraiment nul. Et ça fait deux fois qu'il me sort Simone Inzaghi. Donc là, je suis pas dans un bon état d'esprit, honnêtement. On va simuler ce match contre Sassuolo. On espère en gagner. On gagne 2-1. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça va faire beaucoup de bien. Et on va regarder tout de suite où on en est au championnat et où on en est en Champions League également. Ceci dit, au championnat, on verra ça après. Le match de Champions League, niveau supérieur. Je vais aller dans la progression. Et le match de Champions League, il est très très important. Alors, je vais mettre encore de la vitesse. Ok, encore un point disponible, on va se le mettre en physique, je pense. Bon, défense. Tacle debout, on ne sait jamais si je dois faire un tacle un jour. Niveau 19, genre une troisième capacité. On avait fait quoi au match aller contre Leipzig? Je me souviens plus ce qu'on avait fait au match aller. Huitième de finale. Ou alors c'est le match aller? Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai l'impression qu'on avait joué ce match, non? Attendez, je vais juste vérifier, parce que j'ai vraiment un doute là pour le coup. Alors les amis, trop trop chiant, mais il y a encore eu un problème de sauvegarde. Pourtant, c'est vraiment des bugs, c'est vraiment chiant. Honnêtement, il y a eu un problème de sauvegarde qui fait que en fait, ce match contre la Roma, je l'avais déjà simulé, je l'avais déjà perdu d'ailleurs. Et après, ce match aller contre Leipzig, on l'avait déjà fait, ce qui est bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler jusqu'à celui-là. Tant pis, hein, ça va changer le score. On a gagné 2-1. Après, on va simuler le prochain match et on va faire le match retour contre Leipzig. Mais vraiment, c'est chiant ces problèmes de... Ah, c'est vraiment très très chiant hein, ces problèmes de... Christian Eriksen qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions pour l'instant. Ces problèmes de sauvegarde, c'est très très chiant. Et vous avez vu, je suis en train de perdre ma place de titulaire en plus. Je joue même pas ce match contre Empoli. On va faire 2-2. Bah écoutez, je crois que je vais demander la demande de transfert vu que l'Inter... Et pas très sympa avec moi pour le moment. Donc je pense que je vais essayer de me barrer dès que je peux. Du coup en coupe, le problème c'est que ce match demi-finale, on l'avait déjà fait aussi. On l'avait gagné. Du coup ce que je vais faire honnêtement, c'est que je vais le simuler. Et si je le perds, vu que... Attendez, je vais vérifier sur mon épisode, mais je crois qu'on l'avait gagné hein, honnêtement. On l'avait gagné. Je suis en train de vérifier actuellement. Pas dire de conneries, on l'avait gagné 3-1. Donc là, en fait, j'ai sauvegardé. Si je le perds, on est quand même qualifié pour la finale. Hein, donc on va pas non plus. On va pas se laisser faire par le jeu. Hein. 2-2, 3-3, qui est qualifié là? Je vais voir qui est qualifié. Sinon, je relance la partie pour être qualifié. Ah mais non, mais c'est but à l'extérieur. Oh là là, c'est en plusieurs matchs. Ça veut dire qu'en plus. Ah, ma sauvegarde, elle a vraiment été beaucoup plus loin, quoi. C'est grave, hein. C'est vraiment grave là, franchement. C'est vraiment relou. Et aujourd'hui, il y a Inter-Naples également. Inter-Naples, c'est un match qui se joue, ça. Hein. C'est vraiment pas très cool tout ça. Bon, écoutez, bah, le Inter-Naples, je pense qu'on va le jouer du coup, vu qu'on est passé quatrième. Regardez, on est loin au classement. Ah, c'est horrible. Franchement, là, ça m'a saoulé. Je vais... Avec quoi? J'ai même plus envie de jouer le championnat, du coup. On va aller directement ici et on va jouer comme je vous avais dit. On a gagné contre Naples en simulant. On perd après et on va simuler le retour contre Leipzig. Donc on a gagné 2-1 comme prévu. On a gagné 2-1 chez eux. Et on joue 1-0 pour Leipzig. Ils sont revenus et je contrôle. Je suis pas titulaire. Wow, c'est incroyable! Comme cette saison est en train de partir en vrille, quoi. Je vais rentrer, c'est ça, il va me faire rentrer le mec. Incroyable, il me fait rentrer au milieu du match alors qu'il y a un 0, c'est le truc tellement pas... C'est le truc tellement pas... Oh là 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 là, j'ai cru que c'était sur un corner pour eux. En tout cas, voilà, c'est très très chaud. On est 60e minute,
Et là, c'est compliqué vu qu'il y a 2-2. Donc voilà, il va falloir se départager. Il me fait rentrer à un moment très très chaud. Hein. Allez, Kimpembe, vas-y mon petit. Au Brozovic. On est en 8ème de finale de Ligue des Champions, hein, je vous le rappelle. Et contre le RB Leipzig, Olmo. Nkunku, l'ancien parisien, Olmo. Olmo pour Januzaj. Mukiele. Attention, Leimer. Il est très très bon ce Leimer. Autrichien, Konrad Leimer. Vraiment un super milieu de terrain. Quelle belle passe. Attention pour Saracchi. Saracchi. Il faut aller sur lui, les gars. Leimer, il a une grosse frappe. Attention. Oh là 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 là, on les laisse tellement jouer. C'est horrible. Bien joué, Barella. Allez, Correa pour la contre-attaque avec Alan. Morelos. Ah oui, non, mais quand c'est Morelos qui joue à la place de Deco, je vous souvenez, Morelos. Je ne lui fais pas vraiment confiance. Hein. Silva. Nkunku, Silva. Oh, yai, yai. Oh, yai, yai. Bien joué, Kimpembe. Bien joué, Presnel. C'était chaud, Thomas Lemar. Thomas Lemar pour Kimpembe. Alan, le Brésilien. Voilà, ça sent pas le, ça sent pas la victoire, là, vu comment on joue. On a du mal à passer le milieu de terrain. Bien joué, Morelos. Ah, Morelos. J'ai pas vraiment confiance en Morelos. Vous avoue. Vous l'aviez compris la dernière fois. Azpilicueta qui a rejoint Leipzig. Nkunku. Donc là, si ça continue comme ça, on se dirige vers les prolongations, les amis. Hein. En Ligue des Champions, ce qui est toujours un peu stressant. Silva. Attention à Silva. Il y a un usage. Oh l'arrêt. Oh, aïe, 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 aïe. Attention, c'est pas fini. Allez, contre-attaque, Morelos. Là, j'ai fait l'arrêt. Hein. Franchement, je suis là. Hein. Correa. Allez, Correa, tu peux nous sortir de ça. La roulette, bien joué. Ça, c'est bien joué. Allez, Morelos. Oh, le but de Morelos. J'ai tellement mal parlé de lui qu'il m'a entendu. 73e. La petite roulette de Correa. La talonnade. La passe en profondeur pour Morelos qui tire du gauche en pleine lucarne. Voilà, voilà, Morelos. C'est juste pour le motiver que je te dis ça. Hein. Allez, sur le cumul des deux matchs, il y a 3-2. Du coup, bah écoutez, on est qualifié. Si ça reste en l'état, on est qualifié. Mais attention, hein, ça va arriver vite, Leipzig. Silva. Le portugais, attention. Ok, bien joué, Kimpembe. Et j'essaie de dégager en LBY. Ça n'a pas été très, très réussi. Januzaj pour Leimer. Faut centrer vite. Heinrich. Attention, ils attaquent tous. Oh, ouf, c'était dur. Attention, c'est pas fini. Adams. Oh là là, c'est pas fini. Là, il y a le feu. Hein. Il y a le feu dans la surface. Nkunku. Aïe. Oh, le truc, c'est qu'il est à 6 mètres de moi, c'est chaud. Hein. Il met une reprise, il a 6-7 mètres, c'est compliqué quand même. Hein. Il a fait une belle frappe, bravo à lui, hein. Alan. Thomas Lemar. Et là, c'est reparti pour les prolongations si ça restait comme ça. Brozovic. C'est le stress de Ligue des Champions. Hein. Akan Kalanoglu qui est rentré. Kalanoglu pour Correa. Allez, Correa, vas-y, mon petit Correa. Pour Kalanoglu. Kalanoglu qui tire. Oh là là, il a une bonne frappe de loin, Kalanoglu. J'y ai cru. J'y ai cru, les amis. Allez, ça va être un corner maintenant. 82e minute. Un corner de Kalanoglu pour la tête. Allez. Non, Gulacsi qui va récupérer ce ballon. Il reste dans le but, notre joueur. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Saracchi. Januzaj. En tout cas, j'ai pas été bon aujourd'hui, hein, faut le dire. J'ai pas été bon et ces problèmes de sauvegarde là m'ont perturbé encore, ça m'énerve. Mais bon, j'ai pas. C'est vrai que pendant les matchs, j'ai pas été bon. Mukiele. Hein. Adams. Bon, attention. Attention à Nkunku. Oh, ouf, je fais l'arrêt sur Christopher Nkunku. Regardez dans la vue gardien, c'était chaud. Hein. Il était pas loin. Hein. Morelos.
Je vais sortir, non. Ouf, je l'ai pris dans la tête la balle. J'ai fait l'arrêt dans la tête. Mukiele. Non ! C'est pas possible. Non, c'est dramatique. André Silva qui va marquer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pourtant, je m'étais replacé, hein. Je m'étais bien replacé. Oh, et là, je pensais que Kimpembe l'aurait. Il m'a fusillé encore à bout portant. Oh, shit. Ok. Bah là, franchement... Il faut aller marquer, hein. 88ème, j'ai monté, hein. Franchement, j'ai monté, les gars. Qui rate Kalanoglu. Mais non. Oh, elle passe à 2 cm. Je suis tellement dégoûté. J'étais monté. Comme si je montais sur un corner. Il n'y avait pas le choix, les gars. Il n'y avait vraiment pas le choix. Hein. C'est fini, c'est fini. Je suis tellement déçu. C'est incroyable. On aurait pu marquer sur ce but. Ça aurait été fou. Ça aurait été la folie. Dans le stade. Allez. Et c'est fini pour la Ligue des Champions cette année avec l'Inter. Je pense que c'est fini, vu comment il me sort l'entraîneur. Je pense que c'est fini avec l'Inter. De toute façon, l'histoire est un peu terminée. Donc, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être demander le transfert. Et c'est fini. On n'a pas réussi à se qualifier. Donc, grosse déception, grosse désillusion. Aujourd'hui, en Ligue des Champions. Vraiment une grosse désillusion. Mais bon, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et je vais demander le transfert parce que voilà, j'ai pas, ça m'a pas plu ces dernières semaines. L'équipe est en train de lâcher au championnat. On a 7 points des premiers de l'Atalanta. Donc voilà, je vais faire ma demande à la fin de saison pour partir. Le calendrier, bah écoutez, il y a des matchs internationaux et tout. Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est prévu que je joue. On va voir, on va gagner 2-1 ici. Il y a des matchs internationaux et apparemment j'ai été appelé. Donc ça fait plaisir. Par contre, on va voir si on est titulaire. Ouais, on sera titulaire en équipe de France. Bah écoutez, ça, on fera ça la prochaine fois. Ceci dit, c'est un match amical. Vous savez quoi, on va pas le faire en vrai, c'est un match amical. Nous, on veut quand même faire du match qui compte. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, j'ai l'impression que le jeu a freeze. Alors là, si en plus le jeu a freeze et que je peux pas enregistrer, je vous jure, j'ai pété un câble. Ça a l'air d'aller. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Altis. Et on se revoit très bientôt pour plus de FIFA. N'oubliez pas de mettre un like. Regardez, leader d'invincibilité, c'est quand même nous. Valeur transfert, 244 millions. Je ne sais pas si on va trouver un club. J'espère que ça ne va pas tout faire bugger. Parce que comment trouver un club quand on vaut aussi cher? Je ne sais pas comment ça va être possible. On va faire une demande de transfert. Et c'est parti. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Je vais simuler pas mal la fin de saison, je vous avoue. Puisque, bah écoutez, j'ai envie de partir. Donc on va simuler pas mal et on va enregistrer. Et je verrai ça. Je vous donne des news plus tard pour vous dire où on en est. Je vous laisse. C'était Altis. Ciao à tous. À très bientôt.